Salut à tous les gens, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo facecam. Mais il y a pas mal de choses qu'il faut que je vous explique aujourd'hui. Parce que ça me saoule. Alors, on va déjà parler de pourquoi je fais plus trop de vidéos sur ma chaîne. Et pourquoi les gens ont tant de méchanceté envers moi en ce moment. Si personne n'a pas remarqué dans les commentaires, tout ça. Je reçois quand même des commentaires assez méchants, etc. Enfin, c'est pas top. Donc voilà. Simplement que je ne suis moins sur YouTube et je fais moins de lives et de vidéos parce que j'ai beaucoup moins le temps, même si je sais que le matin je le pourrais. Pourquoi? Parce que je travaille l'après-midi, ça y est les gens, j'ai un boulot. Je commence à 14h de l'après-midi et je finis à 21h le soir. Et en ce moment, j'ai essayé quand même tant bien que mal de vous faire un live. Après, quand je rentre, je mange et après je vous lance un live MSP. Parce que toute la journée, je vous lance un live pub. Vous pouvez faire votre pub toute la journée, mais je ne suis pas là. Donc, je précise encore une fois, je ne suis pas là, je ne suis pas présente sur le live, je ne regarde pas le chat, je ne vois rien. Je reçois, enfin, quand je suis en pause et que je regarde... Voilà, pour jeter un petit coup d'œil sur le live, je vois souvent des « Oui, Melo Kimiko, elle est là, mais elle veut pas se montrer, gna 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 gna. » En haut, j'ai bien précisé que je serai au boulot de 14h à 21h. Donc, ça veut pas dire que je suis là devant le live à vous regarder. Moi, je vous lance un live, c'est justement pour que, voilà, pendant toute la journée, vu que je vous fais des VIP à peu près tout le temps, c'est pour que, en fait, vous fassiez votre pub, qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, qui s'abonnent à ma chaîne, tout ça, puis le soir, quand je reviens, et qu'on est arrivé à un but précis, et ben, je vous mets un VIP. Rien de bien méchant. Justement, des VIP, on va en parler, parce que les VIP... j'adore vous en faire, j'adore vous faire plaisir, tout ça. Des gens arrivent encore à m'insulter alors que je donne de l'argent, je vous fais des VIP, tout ça sur vos comptes. Donc des exemples comme, oui, de toute façon, Melo Kimiko, elle ment, elle ne fera pas VIP parce que dans tous ses lives, elle ne fait pas le VIP. Elle mitonne, en fait, elle augmente ses abonnés, mais elle ne fait pas VIP. Stop, je fais toujours VIP. Sur mes lives. Hier, j'ai dû faire un VIP. Arrivé à plus de 100 viewers sur le live. C'était génial. J'ai fait le VIP à la petite personne. Je crois même que c'était Pearl. Donc voilà. Je screen toujours les VIP que je fais. Donc je pourrais même vous faire une vidéo où je vous montre les VIP que j'ai fait. Mais il n'y a aucun mitonnage. Je ne pirate pas. Je ne suis pas une hackeuse. Et je ne mens pas de ce côté-là. J'ai toujours fait ce que je dis jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai pas eu de problème. Et voilà que maintenant on me traite de menteuse. Est-ce que vous êtes frustrée de ne pas avoir été pris au concours ou... Parce que je préfère préciser que les personnes qui pendant le live me prennent la tête avec ça et tout ça, je les note sur un bloc-notes et le VIP pour eux c'est mort. Et vous serez même bloqué de la chaîne. Donc voilà, je comprends pas le problème. À aucun moment j'ai piraté quelqu'un, à aucun moment j'ai menti sur un VIP. Voilà, quand la personne a gagné, je me connecte sur son compte avec le mot de passe qu'elle m'a donné sur Instagram ou sur Discord. Je me connecte sur son compte et je lui fais le VIP point barre. Ça me servirait quoi à quoi de mentir en fait sur un truc comme ça? Si je me mets à mentir sur les VIP en fait qu'à vouloir des abonnés, je risque plus d'en perdre que d'en gagner. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Donc c'est un peu chiant parce que voilà, cette vidéo pour que les haters et les personnes, même les personnes qui parfois sont abonnées à ma chaîne mais qui ne comprennent toujours pas le truc. Donc je sais pas, moi je peux pas vous faire un tuto. Là je peux pas, c'est pas possible. Donc ça serait bien que les gens arrêtent de me traiter de menteuse et regardent plutôt le live et soient plutôt actifs sur le live que de dire oui, Melo Kimiko est une menteuse, elle ne fera jamais VIP, ça ne sert à rien de rester sur son live, je me désabonne. Mais désabonne-toi. Regarde, moi j'ai fait le clic et bloqué l'utilisateur de ma chaîne. Tu n'as plus rien à faire sur ma chaîne quand tu fais ça. Donc voilà, moi ça me saoule, très franchement, des personnes qui font ça. J'avais déjà dit que je ferais une vidéo dessus, mais je l'avais pas fait parce que voilà, je voyais plus trop. Mais
je crois que c'est hier ou il y a quelqu'un qui a dit ça. Il y a quelqu'un qui aurait dit donc que je ne fais pas VIP, c'est du mytho, que je suis une menteuse, je fais ça juste pour les vues et pour les abonnés. Ah, alors déjà je préfère autant vous dire, je vais vous le dire tout de suite, les vues, ça me fait gagner des sous, certes, j'en ai des sous par mois, certes, mais les sous que je gagne par mois de YouTube, ils passent dans les VIP pour vous. Donc là je sais pas comment faire. Est-ce que je dois arrêter les VIP et dire stop, et comme ça au moins ben, on arrête tout, comme ça il n'y aura plus rien. Est-ce qu'on continue et on essaie de faire ça tranquillou et sans se prendre la tête, et puis les gens arrêtez de me prendre la tête aussi. Donc c'est comme vous voulez, dites-moi en commentaire si on continue sans se prendre la tête ou si on arrête et on stoppe tout définitivement, comme ça c'est fait. Les gens qui n'en ont plus rien à foutre et qui sont là que pour le VIP, vous savez où est la porte, vous savez où est la sortie, vous pouvez partir et vous désabonner de ma chaîne YouTube. Je vous promets que ça ne me fera aucun mal et que je m'en bats les steaks. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 33 600 abonnés. Merci énormément. C'est très, 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 très gentil. Et les gens qui disent que je n'ai plus de plaisir à faire de vidéos, c'est complètement faux. J'aime toujours autant faire des vidéos et vous rencontrer en convention, mais c'est le temps qu'il me manque maintenant. J'étais contente de faire cette petite vidéo, j'espère que vous aussi vous avez été contents. Et je vous fais sur ce des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!